On a commencé à installer le premier chapiteau, le grand de plus de 1000 mètres carrés qui va recevoir Monstration, l'expo de Johan Le Guilherme. On a commencé mercredi 13 juin, le montage a duré 3 jours. Actuellement, depuis ce matin, sont en cours de montage les deux chapiteaux qui vont recevoir Cirque ici, c'est-à-dire le spectacle secret. Un chapiteau où il va faire sa représentation et un chapiteau d'accueil pour le public. Après, il y a tous les autres lieux aménagés à mettre en place, à transformer d'abord et ensuite à aménager. La place de Briou, parce qu'elle est complètement transformée, elle est méconnaissable de par l'implantation des chapiteaux. On va actionner, on va lever. Une fois qu'on aura levé, vous allez pouvoir commencer à glisser les poteaux dessous et pour pouvoir les mettre dans leur trou là. Il y a la cour capitaine qui est une charmante cour ombragée, fermée, cour qui a un aspect un peu intime, qui reçoit des spectacles musicaux. Il y a la grange et l'écurie de la Maison des Arts qui étaient des dépendances, qui vont devenir des lieux de spectacle, qui vont recevoir chacun 150 et 75 personnes. Le gymnase qui est un lieu où il y a des rencontres sportives, qui va devenir un lieu de spectacle également. Et puis la pergola. La pergola, c'est l'implantation d'un tivoli où on installe une restauration et un bar qui va se dérouler sur un ancien terrain vague. Vas-y, on laisse comme ça, c'est très bien. Vas-y.